Et bonjour à tous, c'est Arcange et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de ma série. Donc dans cet épisode en fait on commence le build de notre base. Je vais essayer de vous faire un condensé parce que je tourne du coup mon intro forcément après l'enregistrement. On va essayer de vous faire un, je vais essayer pardon de vous faire un condensé de la construction en elle-même, sachant que ça a pris énormément de temps à faire et d'ailleurs elle est même pas finie. Donc je vais essayer de vous faire un truc assez condensé, je vais pas vous mettre une demi-heure de bulle de base, ça sert à rien tout simplement. Donc je vais essayer de vous faire un petit condensé, faut quand même que vous voyez un peu comment ça fonctionne, parce que les gens qui ne connaissent pas tout simplement, bah il faut bien qu'ils découvrent quelque part. Donc je vais essayer quand même de vous laisser des passages assez importants sur comment fonctionne le build, mais c'est pas pour autant que je vais vous faire un épisode d'une heure et demie. Donc je voulais vous dire aussi également à l'avenir, bon là j'ai encore, si je dis pas de bêtises, j'ai encore un épisode à monter, j'ai déjà tourné. Enfin enregistré, mais à l'avenir je vais essayer en fait d'enregistrer ma voix à part du son du jeu, parce que là je passe tout par OBS, donc pour enregistrer ma voix et le jeu en même temps je passe par OBS, mais je pense que je vais essayer de passer donc d'abord par un logiciel d'enregistrement vocal à part, comme ça en fait je pourrais gérer vraiment en fait le son de ma voix et du jeu séparément. Je pense que ce sera peut-être un peu plus simple, parce que tout simplement en fait je fais un travail audio sur ma voix pour éviter d'entendre le bruit de mon ordinateur qui fait quand même assez de bruit quand je joue. Du coup ça baisse un peu le volume du jeu et surtout le volume des voix de mes autres comparses, comme vous allez le voir plus tard ou même dans cette vidéo, je ne sais plus. On est un total de 4 pour l'instant dans mon équipe. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit condensé, je vais essayer d'améliorer les volumes et les voix des gens et de ma voix aussi en général. Enfin bref, du coup je vous laisse là-dessus, j'espère que cet épisode vous plaira et moi je vous dis à tout de suite. J'aurais peut-être pas dû mettre là la fondation. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être peut-être un. Faudrait que je la mette au plus haut, tu sais, sur le terrain. Comme ça, on est sûr qu'on soit pas en galère quand on va vouloir aller plus haut si on construit trop bas. Enfin, t'as compris quoi. Je vais en replacer une. Genre là, comme ça. Ouais, ce sera mieux. Du coup, est-ce que je peux mettre le fagot, enfin le tribranche dans mon sac à dos? Ouais. Du coup, il me faut tribranche, Je me rappelle cette fois. il me faut deux planches aussi et deux boulons. Est-ce qu'on a ça? Deux planches, deux boulons. Quatre métal. Donc, 1, 2, 3, 4 métal. Il manque deux boulons, deux boulons, deux boulons. On n'a pas deux boulons? Ouais, 5 sur moi. Ah, donc 4 métal, 2 planches, 2 boulons. Et c'est tout. Il y a un canif, mais j'ai. Bah, je veux bien les deux. Qu'est-ce qu'il faut ici? Nickel, merci. Et Mets-moi d'autres fondas, s'il te plaît. pour la borouette, il faut quoi d'autre? Alors attends. Est-ce que tu viens de te blesser? Non. Pour une fois. Tribranches, 10 planches et 2 clous. Ah, j'ai placé la fonda au pire endroit, quoi. Non mais c'est pas grave, tu fais le tour en fait, tu vois, tu fais le tour du rocher. On fera un espace zen là. D'accord. Ah, Si ça te mais dit. je sais pas si je pourrais aller là-bas. C'est déjà, je peux pas aller là à cause de mon fondol. Attends, c'est peut-être à cause du coffre Ou c'est peut-être à cause du coffre. Non, c'est à cause du sol. Pire, je vais faire un truc comme ça. Regarde. Attends. là. Pour l'instant, fais juste ce qu'il faut pour mettre la large carbine.
Rien qu'avec ça déjà, je pense que je vais être pas mal occupé. Là, je vais y placer. D'accord. Non, mais regarde, j'en place un là. Comme ça, après, on met un escalier. Et puis, tu vois. Et on peut build aussi derrière. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Oui, du coup, pour la brouette. Bah, après, la brouette, on y fait sur place. De toute façon. C'est là, je vais ramener la rouille. Mais ouais, bah ouais, ça se fait sur place. Et ben, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, j'y vais. À tout de suite. Faut que je mange. Attends. Pourquoi il y a une fumigène partout? Faut arrêter de laisser traîner tes grenades. Il n'y a pas de fumigène. Je sais pas, il y avait une fumigène par terre. C'est pas à moi. C'est jamais à toi. T'assure que c'est pas moi. Bah, en fait, il faut. C'est chiant parce qu'il faut qu'on laisse de la place pour pouvoir loot. Enfin, pas loot, mais. Pour pouvoir crafter assez de cabines ou quoi pour mettre plusieurs coffres, enfin comme on avait fait dans l'ancienne, tu vois. Mais en même temps, faut pas être trop greedy sur la base, tu vois. Avec la large cabine, on a le haut, je te rappelle, hein. Ouais, c'est pas fou. Rien que tout le haut, c'est déjà pas mal. Ouais, bah. J'étais en train de me dire, attends, il est en train de me dire qu'il me manque quelque chose pour fabriquer la roue. Mais en fait, c'est que j'avais pas débuté le tribranche. Mais c'est vrai que par contre, c'est un peu stupide. Genre, il faut 5 tribranches ou 5 long sticks. C'est un peu stupide, je trouve. Pour la roue aussi? Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est un peu con, quoi. Là, je fabrique la petite roue. Bam, c'est bon, j'ai fabriqué une roue. Ah merde, non! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, c'est triste! Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas mettre le coffre en bois dans la brouette quand le coffre en bois est plein. En termes de poids, non? Je sais pas. C'est dommage. Ah, oh, il est déjà rempli en... Ouais, bah de se traîner le coffre de bois, c'est plus pratique que de se traîner le... J'en transporte plus dans le coffre en bois que dans la brouette. Mais par contre, quand je suis dans la brouette, je peux pas accéder au... À l'inventaire. D'accord. Du coup, bah, je vais remplir la brouette. Ouais. Mais j'y arrive pas, moi, à le glisser. Tu te glisses au sol, en fait. Ah, t'as une technique de fou, toi. Ouais, tu mets un arbre dedans, quoi. De toute façon, la cabine, on va la faire sur cette partie-là. Là où t'es actuellement. Mmh. Et en bas, on verra ce qu'on mettra, mais... Ouais, la cabine, on va y faire sur cette partie. Tu as déjà vidé tous les bois? Non. Ah non. C'est bien, ça prend forme. Mmh. Ouais, je vais me faire ça, en fait. De quoi? Une hache en métal improvisé, ça sera peut-être mieux. Une hachette improvisée en métal, ça sera peut-être beaucoup mieux. Attends, faut que je regarde combien il faut pour la large. Elle est où la porte déjà? Elle est là. Elle passe là ou pas? J'arrive pas à voir du coup. Attends, je vais te dire ça. Donne-moi juste deux secondes, s'il te plaît. Alors, là, ça a l'air d'être bon. Elle dépasse un tout petit peu, mais ça devrait pas gêner. Là, c'est bon.
Et là aussi. Ouais, elle passe. Et pourquoi elle peut pas se mettre? Ah, il y a le coffre. Ouais. Je te laisse enlever le coffre. Non, elle passe nulle part. Faut rajouter derrière. Sur les côtés, elle est assez large. Ouais, les côtés pile. Ouais, faut rajouter derrière. Alors. Elle veut pas dépasser. Hein? Je dis, est-ce qu'elle veut pas dépasser? Non. Ok. Alors, est-ce que je peux poser? Je peux aller jusque là en profondeur. Du coup, il n'y en avait pas besoin. Hein. Ah, quoi que si légèrement. Elle dépasse pas derrière. Tu peux même reculer hein, si tu veux. Vas-y encore. Ouais, ça devrait le faire là. Ah, mais t'es dedans. Est-ce que tu peux le décaler sur la gauche ou pas? Ouais. Attends, laisse-moi la remettre en vert déjà. Vas-y, gauche, 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 gauche. Encore. Ok, bouge pas. Ouais, là on pourra accéder à l'échelle. Ok, vas-y, pause. Nice. Bah c'est parfait. Bah ouais. C'est du travail d'équipe en même temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà. Yes. Plus que la porte. Faut trois planches et une caisse haute. Du coup, je mets la deuxième, donc il faut six planches et deux caisses hautes. Ah oui, mais on n'a pas de caisse à outils. On n'a pas de caisse à outils. Il va falloir la craft. Et c'est cher à craft, hein ? Je sais même plus. Non. Pas. Alors il faut deux fers, deux planches, un clou, et un boulon. Donc j'ai clou, boulon. Il me manque deux planches concrètement. Je vais les avoir ici. Alors il me manque autre chose. Attends. Un clou. Non, mais j'ai pas de boulon en fait. Pour ça, je dois y en avoir un coffre. Ah, tiens. On est là. Deux ferrailles. Il va te manquer une planche, je crois. Bah, ouais, c'est ça. Une planche. T'as toujours ta pelle? Hein? Je sais pas où elle est. Si je l'ai, c'est bon. Je vais savoir pourquoi. Pour fabriquer une boîte à outils, il faut une pelle. Voilà. Ah oui, c'est un matériau de construction, genre gourdin, hache, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Yo pienso. Oui! Bah, il manque deux planches. Pour faire quoi? On va faire une finir la porte. Ah oui, là-bas. Attends, pour moi. Ah non, merde, il manque une planche. Bon, je vais aller faire les arbres là-haut. Comme au bon vieux temps. Hop. Improviser de wardrobe.
Et c'est là-dessus que du coup se termine notre sixième épisode de la série. Et oui, donc c'était un épisode de build, les bases, les fondamentaux tout simplement. On n'a pas encore posé les murs dans cet épisode, sachez qu'on le fera bien évidemment dans le prochain épisode. Je vous montrerai pas toute la partie build des murs parce que ça va être très long, sachant que les builds sont assez longs à construire. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode du coup vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.